Après une mission d'avertissement et de sensibilisation du procureur général de la cour d'appel de Cancan, un assaut est lancé contre toute installation qui nuit à notre environnement. Le commandant de la gendarmerie territoriale de Mangana, colonel Abdoulaye Ba, lance une mission spéciale de 36 gendarmes qui vont désormais sillonner les grandes localités minières de la préfecture de Mangana. L'objectif est clair. Identifier des sites, interpeller des personnes impliquées dans la dégradation de l'environnement, mais aussi saboter les installations. D'abord, nous sommes couverts par le procureur général près de la cour d'appel de Cancan et monsieur le procureur de le tribunal de première instance de Mangana de s'engager, de faire la, comment dirais-je, cette mission sans embâche. Et que ce soit les nationaux, les expatriés et tous ceux qui pratiquent ce façon de travail et surtout ceux qui dégradent notre environnement. Puis les instructions seront données et sans embâche et tous les complices seront décelés et convoqués. Merci mon commandant. Merci beaucoup. Devant cette mission spéciale de la gendarmerie, le procureur de la République instruit une interpellation non sélective et immédiate. Pour véhiculer ce message et également lui donner des instructions fermes à l'effet d'engager des poursuites immédiatement pour mettre fin à cette pratique. Après plusieurs avertissements des autorités, colonel Abdoulaye Ba, commandant de la gendarmerie territoriale, promet la continuité de cette mission spéciale.